Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors ça s'appelle aujourd'hui le tuto sera pour ma première fois comment faire une clope roulée. Bon, c'est vrai que ce temps-ci c'est la mode, on peut fumer, etc. Dans un premier temps, il va vous falloir une boîte de tabac, donc que ce soit Marlboro, Winston, un peu de tout, une tubeuse, et il vous faudra des filtres. On y va, c'est parti pour la création. A tout de suite. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à ouvrir la tubeuse. Je vais retasser le tapis qui est là. Alors bien sûr, ne le faites pas sur une feuille, bien sûr. Mais si je le fais sur une feuille, c'est parce que bon, déjà j'ai un peu l'habitude de faire sur une feuille. Vous ouvrez votre tubeuse. Vous mettez pas trop de tabac, bon après il y en a, ils font ce qu'ils veulent. On va voir la boîte de tabac, donc c'est une boîte de tabac de Marlboro. Marlboro Red S. Alors j'ai changé parce que je trouve que les Marlboro sont meilleurs et sont meilleurs de qualité. Enfin, ils sont meilleurs de qualité, pardon. Alors on met ça de tabac et puis vous tassez. Ensuite, dans un second temps, bon là vous pouvez pas le voir, vous mettez le tabac là, vous tassez avec vos doigts. Hop hop hop. Moi je vais pas tasser avec mes doigts. Si, je vais devoir tasser avec mes doigts. Bon, c'est pas. On va. Donc vous allez tasser avec vos doigts. On enlève tout ce qu'il y a à côté. Vous fermez votre machin, enfin votre tubeuse plutôt. On ferme la boîte de tabac. Je vous montrerai une petite astuce tout à l'heure aussi. Vous prenez un filtre, vous le mettez bien, voilà, comme ceci. Et bien sûr, vous mettez, alors attendez que j'y arrive, vous mettez la tubeuse comme ceci et vous vous enfoncez pas trop, vous voyez? Vous enfoncez pas trop, vous y allez. Vous allez faire le tubeuse, la vidéo coupée. Ok. Ensuite, vous posez votre main, votre paume de main là. Vous placez ces deux doigts là, comme ceci. Votre main, toute la paume de la main, comme ceci. Et toujours les deux doigts là. Alors, un sur les côtés. Et vous tirez. Bien sûr, après, vous tassez. Et nous, on se retrouve pour le test. C'est parti. Alors, dans un premier temps. Vous avez mis votre cigarette et puis après bah. Mais je trouve que les Marlboro c'est quand même pas mal. C'est moins fort que les Winston. Bon après ça fume comme une clope normale. C'est fait comme une clope normale comme vous voyez. Ça fait toujours de la fumée. Sauf que c'est moins dangereux. C'est moins dangereux, il y a moins de choses de trafiquer. Et c'est moins fort. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est moins fort. Bref les gens. On se retrouve pour un nouveau test dans de prochaines vidéos. Bon, en tout cas, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager. Il y en a un max de fois. Et je vous dis à la prochaine. Sur ce, bye tout le monde.